Alors, il y a Chantal qui m'a posé une petite question au sujet d'une personnalité iranienne qui vient d'être partie, on peut dire au ciel ou à l'enfer, c'est Hashemi Rafsanjani. C'est deuxième l'homme fort d'Iran est mort. Deuxième l'homme fort. Alors, 99% des gens, ils disent qu'il était supprimé, puisqu'il avait de bonnes relations avec les États-Unis, côté démocrate, et maintenant, avec l'arrivée de Trump, ça change. Et comme on vient de parler, Poutine, Trump, République islamique et tout ça, on va voir la France comment ça va aller. Mais pour répondre à notre ami qui vient de me poser la question, je vais vous dire que Hashemi Rafsanjani, c'est vrai, c'était le deuxième homme fort de la République islamique d'Iran, il n'était pas un démocrate ni un modéré, et plusieurs milliards de dollars il a pu voler pendant toutes ces années-là. Il était condamné plusieurs fois en Allemagne, en Argentine, quand on a mis des bombes en Argentine contre les Juifs, et même quand on a assassiné les opposants et tout ça. Et voilà, ne soyez pas très inquiète pour la disparition de Hashemi Rafsanjani.